Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va jouer à Portal 2, on va continuer en espérant avoir des énigmes quoi, parce que la dernière fois c'était pas vraiment des énigmes. Donc on va voir si cette fois il y en a, ce serait pas mal. Donc je suis juste là où j'avais arrêté la dernière fois, donc c'est-à-dire au début du chapitre 6. Continuer ensemble. Bon, donc on était tombé d'en haut. Et GLaDOS s'était fait remplacer par notre petit ami robot qui nous aidait. Et normalement, maintenant, on a GLaDOS qui est dans une patate. Et qui va essayer de nous aider, je suppose, à se venger de petit robot chiant qui nous aidait. Qui a donc pris sa place, qui était une sorte de robot créé pour empêcher GLaDOS d'utiliser son intelligence en le faisant chier. Et après, il nous faisait chier, nous. Il est con, alors il nous a tabassé. Oui, faut aller où? D'accord, faut aller là. Non mais... D'accord, ça passe à travers le grillage. Tant pour moi. Oui, là. Ah. On est toujours en mode rush, alors que on connaît pas le jeu. Hein, parce qu'autrement, je vais trop m'ennuyer, donc je rush. Toujours pas de sprint, évidemment, le plus gros défaut de ce jeu. Et pas de sprint. On va aller là-bas, je suppose, de toute façon on voit que ça. Tout a l'air d'être un peu détruit, hein. On est sûrement dans les coulisses des salles de test, je suppose. Dans la déchetterie même des salles de test, là on voit des morceaux des robots puis des. C'est de la technologie similaire en tout cas. Je pense qu'il faut aller là-haut, trouver le chemin. Oui, je suppose qu'on peut toujours pas ouvrir les portes. Là, il va falloir certainement créer un portail avec le grillage qu'on voit et le prendre par là. Où est-ce qu'il y a un truc blanc? Le sol, c'est pas du blanc. Est-ce qu'il y a une surface qu'on peut agripper, enfin qu'on peut sur laquelle on peut créer un portail? On est en l'air, peut-être. Il y en a une là-bas, parce que c'est celle-là qu'on va utiliser. Je suppose que oui, hein, il n'y en a pas un milliard à mon avis, c'est assez... Enfin, il n'y a pas de branche différente quoi, pour résoudre une énigme dans ce jeu, il a l'air d'en avoir qu'une seule à chaque fois. C'est où là? Je retourne en arrière ou j'avance? Non, j'avance. C'est bon. J'aurais pu utiliser le précédent, mais... oui, donc là on est passé de l'autre côté de la barrière où on était tout à l'heure. Tout à l'heure on était là-bas. Donc c'est bon, on peut continuer en tombant là. Oh, y'a ça. On va faire des esquives. Est-ce que ça va être Indiana Jones si on va avoir une boule qui va nous suivre? Parce que ça ressemblait là. Non, visiblement non. En même temps, on peut pas aller vite dans ce jeu, alors ça serait bizarre. Pas de sprint. Jeu FPS sans sprint. Alors, yes, une interaction avec eux, ça faisait 1000 ans. Grosse interaction. Oui. Mes lunettes m'emmerdent, là, je peux pas les maintenir. Alors, oui, gros portail, on pourrait entrer on ne sait pas où. Suivant le chemin. Un peu là-dessus, c'est une bonne info à prendre. D'accord, donc il faut que j'aille là-dedans, je suppose. J'active des choses de part et d'autre pour pouvoir... D'accord, j'ai du temps, donc ma vie c'est de la merde. Ce qu'il va falloir que je fasse c'est ça. Et je peux pas aller directement dedans, non. Par contre l'autre est peut-être plus... Non, c'est pareil. Ouais, il faut activer les deux rapidement, visiblement. Il avait l'air d'avoir un compteur. Voilà. La porte s'ouvre, on va pouvoir continuer dans une énigme impressionnante. Oui, ouvre-toi, je veux passer. On retourne dans l'enfer, visiblement. Ça m'étonnerait qu'on nous accueille avec un capot. Lol. Référence nulle. Je ne connais pas. J'utilise sans savoir.
C'est un classique. Et voilà, là on retrouve ce qui nous avait manqué tant, les temps de chargement toutes les 2 secondes. J'aurais dû le mettre sur SSD, mais j'ai pas beaucoup de place sur les SSD, sur mon SSD. Donc c'est chiant. Les lunettes, elles me font chier, mais c'est incroyable. Une anti-lumière bleue de merde. Mais non, on va pas plonger dans le dans la lave pour mourir. Dans le dans l'urine. Les égouts. Tout un peu délabré, hein. La femme de ménage n'a pas fait son taf. Les débris continuent de tomber. Oui. Par là, on s'en fout. Là, il y a des trucs pour pouvoir faire des portails dans les murs. Là, on peut passer, mais est-ce que c'est par là qu'il faut aller? On va vérifier, mais à mon avis, oui. Hein. Comme j'ai créé un portail, je pourrais créer l'autre et puis barrer direct. Pourquoi on peut aller jusque-là? Ça sert à rien. Totalement inutile. C'est impressionnant. Alors, bon, comme ça, on a passé la petite porte. Oui. D'accord. Grosse énigme. Trouver un interrupteur, ça j'y arrive pas, c'est plus dur quand même. Yes. Ah, on peut zoomer. Grosse info. J'avais même pas qu'on pouvait zoomer avec la molette. Elle est là. Oh. On est là. Lol. Je sais pas si c'est ce que tu vas aller faire. Si vous voulez, donc là visiblement il y a un truc de jump. Parce que l'axe c'est pas mal. Non, l'axe a l'air vraiment merde qu'il faut l'utiliser pour jumper. De toute façon, il faudrait faire un saut. Le saute et vous n'aurez jamais les plans. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Là-haut, quelque chose là-haut. Peut-être là, c'est plus proche. D'accord. Oui. Mais encore. Donc visiblement là, c'est pour avoir de la vélocité grâce à la chute là-dedans. Et ensuite, où est-ce qu'on veut aller? On veut aller là. Mais comment je fais si je jump pour aller là-dessus? Après, est-ce que je pourrais contrôler ma chute pour aller dessus? Faut que je fasse contre le mur. On va essayer. Ah, hop. D'accord, c'est un peu juste. Mais bon, c'est pas impossible, mais c'est un peu juste. Je réfléchis. S'il n'y a pas un moyen plus adéquat. Genre, c'était de là-dessus. Propulser de là-haut. Peut-être. Catapulter. Force de gravité. C'est trop haut! Mais ça a l'air d'être une bonne résolution. Lol. J'avançais trop vite. C'est con ça. Alors. Donc on va essayer un petit peu plus bas. Yes. Est-ce que c'est... C'est un peu trop bas là. Hein. De la merde. Voilà. On tourne là. Et donc... Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une énigme? Je suis pas certain. Voilà, c'est plutôt du essayer au pif 50 fois jusqu'à trouver la bonne hauteur. D'accord, faut pas aller là? Comment ça? Si? Faut aller là. Je dis pas qu'il fallait aller là-haut et que je suis loin des canards. C'est pas possible. Là, y a rien. On s'en fout de ça, non? Faut aller là. Zoom. Gros outil. C'était pas là qu'il fallait aller, je suis déception là.
quand je vois une grande porte, je me dis que c'est par là. Il n'y a pas de truc à... Là, ça a l'air plus clair, mais ça n'a pas l'air suffisamment clair. Non, je pensais que c'était là, comme on pouvait pas aller dessus. Visiblement, le truc, ça va être de jump là, de rentrer dans le cerceau et d'aller là-bas. Ok. Mais donc, pour ça, il nous faut bien la gravité là-haut. Si on avait le bon truc, il semblerait. Ça me semblait bizarre aussi qu'il faille faire la même chose plusieurs fois pour trouver la bonne hauteur. Ça n'a pas l'air d'être le style du jeu. C'est plutôt, voilà, ça a plutôt l'air du t'as qu'une possibilité pour que ce soit exact et la possibilité est évidente. Juste trouver par où passer. Forcément, je ne peux pas tous les superviser. Du coup, ces messages préenregistrés sont là pour répondre à toutes vos questions et à tout accident qui pourrait avoir eu dans le cadre de votre aventure scientifique. Les tests qui salut, Cédric, comment vas-tu? Essentiellement de la façon dont vous avez plié le monde à votre volonté. Je vois sur Twitter. Les sujets affectés au test du gel répulsif, suivez la ligne bleue sur le sol. La ligne bleue sur le sol. Pour recevoir de l'ADN de menthe religieuse, hein, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que ces tests sont suspendus pour une durée indéterminée. La bonne, c'est qu'on a un test bien plus intéressant, combattre une armée d'hommes morts. Prenez une arme et suivez la ligne jaune. Vous saurez quand le test commence. Ok, ben voilà. Utilisez l'ascenseur, parce que c'est pas mal. Test Portal 2, je pourrais tester si les jeux d'énigmes ça m'intéresse ou pas du tout. Pour l'instant, bon... C'est pas que je m'emmerde, mais je m'emmerde. Voilà, mais je sais pas si... J'arrive pas à évaluer si les vraies énigmes ont commencé ou pas, et du coup... c'est pas ouf. Visiblement, faut faire un portail là, puis un autre là-bas. Pas d'autre endroit. Et on a découvert le zoom tout à l'heure. Je savais pas si on l'avait dès le début ou pas, mais je l'ai pas utilisé. Les portes, on s'en fout visiblement. L'outil est fermé. Et puis j'ai vu que tu réfléchissais toi aussi. Ah non, t'avais dit que tu voulais reprendre le stream pour pouvoir déménager. C'est ça que t'avais dit. Avoir testé un autre jeu d'énigmes. Bah, j'ai vu qu'il y avait The Witness sur Epic Store qui était gratuit à un moment que j'avais pris. Et du coup, The Witness, je sais pas si c'est ce que j'ai dit. Et il me semble que c'est un jeu d'énigmes. Je verrai pour tester. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il y a un truc de jump. Le jump servirait à aller là-bas. Ça doit être la bonne porte. Ah! En tout cas, je suis mort. LOL! J'ai avancé un peu trop. Visiblement, il fallait utiliser le portail là-haut. Il faut voir pour faire un saut. Pour prendre de la vitesse. Il faut voir si je peux pas trouver une plateforme vers le bas. J'en ai vu qu'il y en avait une en dessous de l'ascenseur, mais... un peu merdique. Voler là, de là-haut. Je pense que le jump doit être fait pour... ensuite, où est-ce qu'il y a une plateforme blanche? Ça, c'est pas possible. À mon avis, faut aller là pour avoir la bonne vue. Oui, mon PC reste un peu poussif. Et puis il est prévu dans le futur que je l'installe dans la région parisienne, donc un débit de dingue. Je comprends tout à fait. La fibre, c'est la joie. Ah, je sais. Il va falloir que je fasse ça, mais là je peux pas rentrer, donc il faut que je fasse. En fait, il faut que je m'en foute. Il faut que je retourne là. Mais il faut que je laisse le truc là-haut. Je crois que là je peux le remettre. Oui, je peux le remettre. Il faut que je fasse ça, et il faut que je mette là en dessous de l'ascenseur pour tomber ici, laisser la gravité faire le reste. Mais ouais, c'est sûr qu'avoir la fibre ça aide beaucoup pour streamer. Moi je l'aurai peut-être à la fin de l'année, ils ont commencé à passer des gaines dans ma rue. J'ai bon espoir qu'un de ces jours ça arrive, même si je suis en campagne, mais ça fera plaisir, même si j'ai peur que mon PC ne fasse pas ne fasse pas le taf, ça la crainte. Je
de la fibre, mais avoir le monsieur de la avec sa PS5 à ce moment-là, c'est le site télécharge en jeu. Ouais, je pense que ça doit pomper pas mal de la pomme. Autrement, c'est étonnant parce que si c'est pour jouer en ligne, normalement ça pompe pas tant que ça. Hein. Personne pourrait jouer, mais enfin, c'est encore une force factice. Simplement, il y a un passage. Ouais, c'est étonnant. Télécharge des jeux. Là, oui, le changement de jeu, ça pompe toute la co, et là, ça se comprend. Ouais, c'est étonnant. Ouais, PS4, j'ai pas jamais testé. Je me suis arrêté à PS3, moi. oui, elle est là. On va là. Elle est là. Mais. Oui, ça a l'air d'être bon. Mais il va falloir avancer assez, je suppose. Est-ce qu'on peut sauter? Ça sert à quelque chose, ça, ou pas? Voilà, ça sert à quelque chose. Ah! Quel idiot. Je vais reprendre notre portail. L'orange. Ça, je suis direct. Voilà. C'est bon. Ouais, c'est bizarre, le truc de la PS4, là. Après, il y a différentes fibres, d'après ce que j'ai compris. Ouais, qui sont plus ou moins rapides. Là, faut pas que je fasse de conneries parce que là, c'est où j'étais tout à l'heure. Ah non, c'est là. C'est vraiment où j'ai. Des pertes momentanées. Ah ouais. On dit que la science est bâtie sur les épaules des géants. T'as quoi comme fibre? Une fibre SF? Notre chance part de zéro. Les roulettes de géants, c'est pour les gars. Je sais pas, mais pendant un moment, il parlait que. Je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais il y a 2 ans, entre les jours, j'ai entendu dire que la fibre SFR, ça. C'était pas une vraie fibre et du coup, il y avait des petits problèmes. C'est étonnant, tu t'es des pertes. Perdu dans la cambrousse. Très étonnant. Ah, merci pour le flash dans les yeux. Si on restait faire, oui, mais pour le coup, c'est une vraie. Ah, d'accord. À propos, vraiment, vous étonnant. Ne faites pas partie du groupe témoin. C'est bien le gel. La dernière fois, le type avait eu de la peinture bleue. Non, c'est vrai, il s'est fracturé tous les os des jambes. Tragique, mais très utile. Enfin. Il paraît. Ok, ouais. Je pensais pas que la fibre SFR voulait merder. Le réseau est full SFR dans le quartier. Ouais, d'accord. Mais moi, je sais pas. Je pense que ça sera du orange dans le coin. Je suis orange. Pourquoi la couleur bleue là? Ah, d'accord. Bumper. D'accord. D'accord. Il va falloir un cube. Visiblement, là ça peut dropper des trucs, mais. On va y aller. Je vais aller l'éditer. Par contre, la région parisienne c'est free, c'est du lourd. D'accord. Je sais pas trop comment ça marche ce truc là. Le truc de la fibre ou si c'est une. Enfin, un opérateur qui passe. Comment tu fais pour. Si c'est pas le tien en fait. Obligé de prendre la fibre de l'opérateur qui passe dans ton quartier ou quoi? Genre en immeuble, je crois que c'est le cas, mais quand c'est maison individuelle, je sais pas. Est-ce qu'il faut faire ça? Oui, il faut faire ça. Ça me semblait trop simple. Reviens le cube! Les gars du labo m'ont fait savoir que je n'aurais pas dû parler du groupe témoin, se disant que je devrais arrêter ces messages préenregistrés. On me dit alors que région parisienne, ça sera que. C'est moi qui paie les factures, donc si je veux parler du groupe témoin, eh ben j'en parle. Après, ça dépend peut-être des quartiers. Je vois pas comment ils se sont démerdés pour ça. C'est tellement la peau du cul qu'ils ont dû se démerder à faire des combines vaseuses. Réduire les coûts et les partager. Pour le prochain test, on a mis des nanoparticules dans le gel. En gros, 1 milliard de minuscules machins vont passer dans votre flux sanguin pour bombarder vos tumeurs de gènes expérimentaux. C'était. Dans le cas où vous n'aviez pas de tumeur, n'ayez crainte.
Si vous êtes assis sur une espion de la queue sans porter sous les bombes blindés, c'est... Merde. Vous pouvez attendre. Ah. L'impatience d'un homme. Oui, dans le sens, on s'en fout parce que je peux pas y aller, donc il faut que j'en fasse un portail bleu. On va y aller. C'est sûr que la fibre, c'est la joie. J'attends que ça. Donc oui, j'ai déverrouillé cette porte. Il va falloir de la vitesse pour entrer là-dedans. Je vais pouvoir en avoir. Comment je vais faire pour avoir de la vitesse? Parce que là, il va falloir que je sorte d'ici pour que ça me propulse là. Ah, ou il y a un autre truc là. Faut faire gaffe en fait, c'est un opérateur, le mieux c'est de prendre celui-là en effet. Parce que par exemple, pour les noms, si je prenais Free pour 20, ça sera d'une fois ADSL et même de la fibre. Ah oui, alors qu'ils vont te vendre un truc de fibre. Ah d'accord, je savais pas du tout. Ouais, donc il y a des sacrées arnaques. Faut que je fasse gaffe à tout ça. Oui, ça. Quel intérêt. Ah, je sais, je suis con. En fait, je veux pas. Je veux me servir du bleu pour sauter là-haut. Ah, d'accord. Merci de l'info. Je fais gaffe. Du coup. Oui, il y a moyen de se faire avoir. Est-ce qu'il fallait faire ça? Oui. Saute dans tous les sens. C'est la fête. Je sais pas pourquoi il y a un trou là, mais c'est. Meuf la guerre. Un trou pour mourir, visiblement. Voilà, donc là on ouvre ça. Et donc. Je peux faire ça peut-être. Yes. Ah, au fait, c'est le GG. Si vous avez été en contact avec le gel répulsif, voici un conseil des gars du labo. N'entrez pas en contact avec le gel répulsif. J'avais lu qu'il y avait des trucs du genre. Les appels d'offres, en fait, quand la fibre passe les grosses graines, après il y a des appels d'offres pour savoir qui s'occupe de quel quartier, qui achète quel quartier. Mais du coup, je savais pas comment ça se passe si c'est pas ton opérateur qui achète le quartier. Ok, il va falloir que je fasse gaffe à ça. Quand ils se décideront à enfin mettre la fibre. Pose question à Capitaine Demelon, c'est un ennemi dans réseau. À propos, toutes ces sphères sont faites d'amiante. D'accord. Ça protège des rats. Si jamais vous êtes victime d'essoufflement, de toux sèche ou d'arrêt cardiaque, avertissez-nous immédiatement. En temps voulu, pour l'instant, ça avance pas. Ils ont juste mis des câbles, ils ont juste mis des gaines sous terre. Les gars du labo disent que l'empoisonnement à l'amiante. Je suis même pas certain que les gaines soient pas vides en fait. Moyen de 44,6 ans. Donc, si vous avez plus de 30 ans, joie dans la ville voisine, ils ont fait ça et. Si on y réfléchit, ça fait 6 mois et il y a toujours pas de trucs avancés en plus, alors j'ai le temps quoi. Je pense que ça sera qu'en fin d'année. Il y a des portails un petit peu partout, mais il faut que j'aille où? Il y a exit en haut, mais est-ce que c'est un leurre? Je ne sais pas. Mais je vais arriver. Quand ça arrivera, merci. Pourquoi il y a autant de trucs comme ça? Y a pas de bout bleu, alors je peux pas sauter. Ça m'avance pas. Je vais faire l'idiot. Ah, ou alors il faut que je m'en serve juste comme œil de Sauron. Comme œil, pour voir ce qu'il y a là. Oh, ça passe pas à travers, la déception. Gros bourrin qui tire au pif. Qu'est-ce que je peux faire ici? On s'emmerde. Là, j'avoue que je vois pas ce qu'il y a. Ça peut pas être de là que je peux faire un truc. Il doit y avoir un truc par là, sur un des poteaux. Il y a un truc là-haut. Allez le voir. Ah bah ouais, là c'est beaucoup plus intéressant ce qui se passe déjà. Il y a rien d'autre. Est-ce qu'il va falloir que je jump? Bon, visiblement non. Vous me plaisez bien. Vous inventez vos propres règles, comme moi. On m'a dit que je pouvais parler à quelqu'un parce qu'il était en chaise roulante. Rien à fiche. C'est cher, non?
D'accord. D'accord. Ah, d'accord, oui. Là, je peux l'utiliser pour faire venir de la bouse un petit peu partout. Mais ça va être là que les pylônes vont être utiles. Mais dans cet endroit, il y a des trucs utiles ou pas? Visiblement, non. Ouais, là, je peux pas traverser. Il y a un bouclier d'énergie qui empêche les portails de se créer. Voilà, ça traverse. C'est une info. Là, ça n'est pas. J'ai pas la visu. Là, je devrais l'avoir. Je peux pas être bloqué ici. Le jeu est pas si mal foutu. Je suis pas bloqué vu que je peux aller là. Quand on va faire ça. Prendre le portail et là on va modifier l'endroit du portail orange. Il est en train de me renvoyer plein de bouse bleue dans la poire. D'accord, donc ce portail ne sert à rien. Celui-là on met pareil, il sert à rien. Celui qui servirait c'est celui qui est là, mais j'ai pas envie de tomber moi. Si je remonte, est-ce que j'ai la visu sur autre chose? Celui-là il sert à rien, complètement. Ah, là, je peux avoir la visu de ce côté-là. Ça ne sert à quoi de la boule bleue? Il semble y avoir un pavé, donc le pavé, c'est pas naturel, alors on va dire que c'est bon. Le petit pavé là, on va mettre plus haut pour voir. Au cas où, recouvrir la terre de boule bleue. C'est lui qui a joué. Quelle est l'utilité? Non, je vais pas en mettre là. Mais un peu partout parce que à mon avis il va falloir que je jump sur ces parois là et ça va être un peu chiant. Non, c'est une paroi là. Ouais, c'est pas facile hein. Je vérifie s'il n'y en a pas d'autres. Celle-là elle envoie dans la flotte. Même si je le mets bas, on s'en fout. Pas de ce côté là, non. Alors, donc il faut que je jump pour. Il faut que je fasse un portail ici, pour jumper là-dessus, rebondir là-dessus et re-rentrer dans le portail. Et donc, comme ça, j'aurai de la vitesse qui me permettra de sortir. Mais où? Sortir où? Ah! Qu'est-ce qu'on voit là? Bien. S'emmerde. D'accord, on peut empêcher les rebonds. C'est bon à savoir. Est-ce qu'on va plus haut? Non. Un truc là? Visiblement non. Là la boue bleue en fait j'en ai plus besoin du tout. Si. Ah, évidemment que je peux l'utiliser ici, le Rotiman. Évidemment que je peux l'utiliser là. Oui. Je suis un peu paumé, hein. L'énigme est un peu trop longue. Enfin, trop longue. Il y a beaucoup d'endroits, du coup, faut se repérer où est-ce qu'on est. Et où est la sortie? Parce que là, je peux aller ici, mais ça me sert à quoi? Honnêtement, quel est l'intérêt? Je mets de la boue bleue un peu partout et puis voilà. Parce que là, si tu mets de la boue bleue pour essayer de faire un chemin, je peux atteindre cet endroit. Et après, est-ce qu'il y a un intérêt à voir, j'ai envie de dire. Ah, d'accord. Là, si je mets le portail, oui, ça a annulé mes portails, évidemment. Donc là, je suppose qu'il fallait faire ça. Moi, je vois pas l'intérêt du bumper. Ça me met là-bas. Oui, j'aurai jamais assez de vitesse. Ah, ou alors il faut que je. Comment je vais faire? Faudrait que j'arrive à mettre de la boue bleue là-dessus, peut-être. Non, faut que je fasse ça. Je fasse autrement. Ah bah peut-être juste comme ça, tout simplement. Youhou!
Évidemment, la gravité, notre meilleur ami. Ah d'accord, donc là-bas, tout ce que je me suis emmerdé à faire avec la boue bleue, ça servait à rien du tout. Je suis heureux. On s'est fait chier pour rien, ça fait plaisir. Au moins, là, l'énigme est un petit peu tricky. Il y avait des chemins pièges. Des choses à faire pour rien. Intéressant. D'accord. La bouse qui si vous faites partie du groupe témoin KPR7, nous avons implanté dans votre crâne une minuscule micropuce de la taille d'une carte postale. Vous avez sûrement oublié jusqu'à sa présence, mais si elle se met à vibrer et à sonner pendant le prochain test, avertissez-nous. Ça veut dire qu'elle va dépasser les 200 degrés et qu'on doit vous la retirer rapidos. Ouais, donc là, ça veut dire qu'il faut que je fasse quelque chose pour arrêter l'écoulement d'eau. Mais, en attendant, qu'est-ce que je fais? Je peux repeindre la terre entière, mais est-ce que ça m'avance vraiment? Pas certain. Si je fais ça, ça me permettra de sauter. Je peux pas aller là parce qu'il y a les... Il y a les blocs là, part et d'autre, où je peux pas passer. Qu'est-ce qu'il y a par là? Casse-tête. Ah, et là il y a l'interrupteur, d'accord. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Si? Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ah, oh, je vais le faire comme ça. Voilà, ça j'ai arrêté l'eau. J'avais pas compris faire comme ça. Ah, c'est chronométrie, d'accord. Voilà, c'est bon. Le bruit. Il panique pour rien. Le prochain test comporte un tout petit peu de voyage dans le temps. Un conseil, hein, si vous tombez nez à nez avec vous-même, ne vous regardez pas dans les yeux. Le temps risquerait de s'écrouler sur lui-même. Bref, laissez-vous tranquille et tout se passera bien pour vous, comme pour vous. Ça sert à rien. Si j'en mets là, ça fait ici, ça sert à rien non plus. Où est-ce qu'il faut que j'aille en fait? J'aille au-dessus. Un jump. Ouais, faudra que j'arrive à... Faudra que j'arrive à sauter. Sauter là-dessus. Pour être envoyé là-dessus, rebondir. Et à passer là-dedans. Si je fais juste un saut comme ça, j'aurai jamais la vitesse. Faudra que j'arrive à mettre de la boue bleue dessus, peut-être. Sauf que c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est pas ça la solution, qu'il faut que j'utilise un portail, plutôt. Je peux pas arriver d'en haut, à part en arrivant par là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, les deux bouts sont entrés en collision, d'accord. Si je fais là-haut, ça fait de la merde. Si je suis en bas, on s'en fout. Ça, c'est nul. On est d'accord, c'est nul à chier. Parce que là, il faudra que je saute et que j'en bondisse là-dessus. Pas faire en sorte que ça fasse ça. Qu'il n'y a pas de portail que je peux mettre pour arriver dans cette direction-là. Pour arriver vers moi. C'est pas ce que je voulais faire là, Thierry. Yes. Là, je peux en mettre comme ça. Trop l'intérêt, mais on va dire que c'est joli. Mais là-bas, ça sert à rien du tout. Tout à fait. Comment je peux faire? Mais pourquoi il m'a parlé de voyage dans le temps, ce con-là? Ça me perturbe. Est-ce qu'il y a un truc là-bas? Ah, ou alors, faut s'en foutre, en fait, et rebondir là. Non. Visiblement, non. Plus de vitesse que ça. Mais oui, je suis con. Je suis le roi des cons. Pour rebondir là-dessus. Et puis là. Si je savais viser, bah c'était bon. Non mais oh. En
fait, je rebondis, et donc grâce à la vitesse du rebond, j'arrive là, et je rebondis à côté, parce que le portail est pas au bon endroit. Non, mais j'étais au bon endroit, c'est juste que j'ai pas mis assez de bouse. Quoi? Trop? Comment ça? Je peux pas la mettre plus basse? J'ai pas assez de vitesse. Comment ça? Je suis pas d'accord. C'est infernal! Parce que là, ça veut dire que... Oui. Super! C'est tout à fait ce que je voulais faire. Ah, il manque un truc, là, je crois. En attendant, on s'amuse, mais... Parce que là, oui, oui, non, on s'en fout, quoi. Comment je peux faire? Cette surface, non, ça permet pas de remettre des portails, le bleu. J'avoue que là... Là, je bloque. Alors, j'ai aucun moyen de mettre de la boue bleue ici. Ou alors en faisant, non pas ça, pas en faisant ça, mais en faisant. Ouais non, c'est pas possible. Je voulais essayer de viser mon cercle avec l'autre pour essayer de faire en sorte que ça soit infini. Et donc. Au bout d'un moment, ils perdent en puissance et essayer de faire un lob là. Mais non, c'est pas possible. Des idées à la con. Même ce mur, je peux pas le recouvrir. C'est chiant. Voilà, je reprends pour le plafond. Ça sert à quoi là-haut? Ah, mais oui. Mais non. Essayez comme ça, si je fais ça. Là, je devrais prendre une vitesse de malade. Parfait. Vitesse de malade. Comme recherché. Vitesse nulle. Parce que si je tombe de là-haut, voilà. Ah, mais non, je peux pas parce que l'angle est pourri. L'angle est pourri, madame. C'est pas un truc aussi merdique que ça qu'il faut faire quand même. C'est pas de ma gueule. C'est terrible. Ça, on s'en fout. Là. Portail into. Into quoi? Into reportail? On s'en fout de ça. Ça ne sert à rien, madame. C'est pas un truc tricky comme ça qu'il faut faire. On va essayer de ce côté-là plutôt. Ce sera déjà peut-être un peu plus simple. Mais c'est chiant. Oh là là. C'est d'un emmerdement. Ah mais je peux pas. Le saut est trop juste. Ça m'a servi à quoi de mettre de la bouse de ce côté-là? J'avoue que là, je suis mort, mais je piche pas du tout. Je piche pas ce que le jeu attend qu'on fasse. Franchement, il panique pour arrière. Le prochain test comporte un tout petit peu de voyage dans le temps. Un conseil, si vous tombez nez à nez avec vous-même, ne vous regardez pas dans les yeux. Le temps. Comment j'ai réussi à en mettre croche en fait? Bref, laissez-vous tranquille. J'ai réussi à en mettre sur le côté, mais comment j'ai fait? Comme pour vous. Ça avait éclaboussé de là-haut, peut-être. En mettre un peu partout, hein. Pas faire de mal. Je comprends pas pourquoi il nous fait chier avec ses voyages dans le temps. Comment je peux faire pour en foutre autre part? C'est en bas, on est d'accord qu'il n'y a rien du tout. Non, regardez en haut s'il y a d'autres trucs. Non, il n'y a rien du tout. Elle est vraiment... elle est minimaliste cette énigme, mais ça me bloque.
Ça me bloque. Un truc que je pige pas là. Moi, je peux me démerder pour foutre de la boue bleue là. Si j'arrive à foutre de la boue bleue là, j'ai juste à rebondir dessus avec de l'élan. Faire un truc comme ça, là, rebond là, et puis alors, je rebondis là-dessus et puis je rentre là. Je peux pas en mettre de boue bleue comme ça. Je peux pas faire d'angle là. Les angles, c'est un peu plus. Vous savez combien ils ont les angles? Bah 4. Comment ça, 4? Ah oui, 4. Les angles de la carte. Désolé. Non, non, là, ça sert à rien, ça. Parce que... ça, ça sert à quelque chose ou pas? On va bondir là. Pas en plus. C'est fou, tout ça. Je suis bloqué là, je mongolise là. Je pige pas le truc. Je vais pas rebondir sur ce truc merdique. Peut-être une idée. Ça va être chiant à faire par contre. Bah oui, comme ça. C'est pas possible, j'ai pas assez de vitesse pour faire ça. Là, j'en ai encore moins. Parce que là, j'arrive pas à... Non, je... Ça m'emmerde. Parce que là, en fait, je voudrais rebondir là-dessus pour re-rentrer dans le portail et donc avoir de la vitesse pour rentrer dans le... pour taper dans le bleu, là. Le problème, c'est que bah, j'arrive pas à sortir assez vite pour taper là-dessus. Je vois pas comment faire. Parce que depuis là, si je le fais comme ça, on s'emmerde en fait. Ça passe pas. Il manque un truc. Oh, du pixel perfect quand même. Ce jeu est pas merdique à ce point là. Passer. Passer de vitesse, évidemment. Je me suis pris le truc de merde. Non, mais là je m'arrête. C'est pas possible. Si je le mets plus haut, peut-être. Ah, ça m'emmerde. Ça y est, ça m'emmerde. Ah. Mais pas du tout. Même en faisant ça, j'ai pas assez de vitesse. C'est terrible. Je pensais que c'était ça la solution. Merde. Ce qui me frustre, c'est que... comme c'est un jeu de plateforme en même temps qu'un jeu d'énigmes... Et j'ai toujours un doute sur est-ce que c'est la bonne résolution d'énigme et je m'y prends mal au point de vue plateforme, input, ou c'est pas la bonne résolution d'énigme et c'est tout. Je suis le roi des connards, ça j'en sais rien. Aucun moyen de savoir. C'est emmerdant. Si je prends le bleu, qu'est-ce qui se passe? Il est différent le bleu? L'autre? Non, c'est pareil. On fout une petite rinçade. On fout là aussi un peu plus. C'est d'avoir plus de surface, mais je peux pas en avoir beaucoup plus de surface pour le bleu. C'est pareil. Je mettre un deuxième portail là pour agrandir. Là, il y a le plafond, ça fait chier. C'est terrible, bloqué par cette énigme là. Et c'est, ça m'emmerde. Faut que je rentre par ce côté là. Je crois qu'on peut. On peut par ce côté. Ça se voit, l'énigme est archi simple et puis je cherche très compliqué. Non mais oh, je vais arrêter de m'emmerder, jeu de merde.
Ça m'énerve. Ou alors je prends le problème à l'envers, il faut faire ça. Ça m'avance à rien de faire ça. C'est très impressionnant. Je rate toujours mes sauts là-dessus. C'est pas chiant du tout. Insuffisant. Quel est l'intérêt? Je pige pas du tout là. Et voilà. Jeu d'énigme. Bloqué comme un con. Je me fous d'autre part. Ça sert à quoi déjà ce mur là? Pas forcément une utilité, autrement il l'aurait pas mis. Réfléchir comme ça, en tant que. Pour réfléchir en termes de level design. À quoi ça sert ce mur? Ou alors là-haut c'est juste un troll et on s'en fout. Ça semblerait bizarre. Ou alors faut être. Ou alors je me complique la vie. Connard, ce qui serait très probable. Il suffit juste de faire ça et ça. Et en fait, on s'en branle complètement du bleu et on l'utilise que pour ça. Et voilà, j'ai cherché trop compliqué alors que c'était tout simple. Roi des connards. Roi des connards. Bon, YouTube, on s'arrête sur cette magnifique énigme de merde. Des bisous YouTube, un pouce bleu.